finir la mission quand même. C'est comme ça. Je te rappelle qu'elle est dans le noir. Hein. Ça se va comme réponse. Ah, ça me va. Ouais, elle a pris le volant, wouhou, wouhou. Putain, j'ai failli sauter. Y a pas de marchand. J'ai notre pire ennemi. Conteneur d'inhibiteur à proximité.
Activer quelques-unes. Ouais. Faut peut-être pas tout donner au pacificateur. Je vais pas tout donner au pacificateur, ne t'inquiète pas, ma belle. Je vais te faire l'amour et après je donnerai mon amour. Cavité sombre, objet de valeur. Conteneur d'inhibiteur détecté. Et comment on y va dans la zone sombre là? Ah là. Le fichaille, accéder à magasin et maître artisan. Ouais. Il est où maître artisan? J'en doute. Ils sont bel et bien partis. Ah, il est là. Alors, ils étaient pas vraiment à vous. La mienne, je l'évite. Alors, montre-moi. Qu'est-ce que tu me vends? Munition enflammée. Flèche infectée. Attends, il y a des grenades. Ah ben, mon maître artisan, vous êtes motivé, hein. Ah, il m'attraque de police demain. Je l'achète et je la mets dans tes fesses. Attention, le Père Noël va sortir.
T'arrives à la sauver la meuf là, parce que je t'entends plus parler. Ouais, elle est morte. Elle est tellement morte. Putain. T'étais trop long, mec. Tawan. Tawan, t'es là. Tawan. Je vais y jeter un œil. Laisse-moi rester avec la One, je veux la One, fais-moi la One. Vous avez vu la One ? Ouais, je la vois tout le temps. Ah, attends, tu veux dire genre aujourd'hui ? Désolée, j'ai tout mélangé dans l'excitation. Dégage de là. T'as choisi le futur. Désolée, vous avez vu la One ? Hé, hey, tu vois pas qu'on discute ? Je cherche juste une amie. Lawan, t'es sûr de savoir quoi faire si tu chopes cette tigresse par la queue, hein? De toute façon, elle est probablement quelque part dans le champ. Mais tu peux demander au bar. Hé, je cherche Lawan. Vous savez où je peux la trouver? Elle était là il y a pas longtemps. Bouh. Tu t'es pas cassé le cou? C'est lui, le Gajo dont tu parlais. Danya, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah ouais? Et en mal ou en bien? Des trucs trop bien, Gajo. Je peux voir que la One t'aime vraiment beaucoup. Tu poses un doigt sur elle, tu lui fais du mal, petite merde, et je te retrouverai. Je t'enfoncerai une pique dans le cul, et je donnerai ton cadavre à manger aux virulents. Danior, dégage, espèce de crétin. J'y fais pas confiance, c'est un inconnu. Rien d'autre que des problèmes. Sérieusement, t'es jaloux à ce point, Danior? On n'a jamais été ensemble. C'est compris? De quoi tu parles? Que les amis de Lawan sont mes amis. Danior dit que pour faire circuler le courant, on va devoir réactiver les autres sous-stations. Bon, comme vous le savez, ce week-end, j'étais à Limoges, donc... La centrale électrique est en marche, mais les câbles n'ont pas résisté. 15 ans, ça laisse des traces. Atrophie musculare nestruite. Les muscles non sollicités dépérissent. Allez. La chambre de Franck est là-bas. Essayons de comprendre pourquoi Waltz l'a allumé pour commencer. Viens parler, Gajo. Tu feras bien de faire gaffe. Je vois un coup de pied au cul. Les traceurs nocturnes avaient vraiment existé. Pour moi, c'était rien de plus qu'une légende. Est-ce qu'on y va? Un truc sur Franck. Tu vois tous ces gens? N'importe où ailleurs, ils seraient des sauvages. Ils se sauteraient à la gorge. Mais pas ici. Parce qu'ici, ils sont calmes, frais et dispo. Et c'est grâce à Franck. Ils le respectent parce qu'il était traceur nocturne. Tout le monde ici lui doit quelque chose. Y compris moi. Sans le soutien de Franck, je serais pas là. Et tu serais où? En zone sombre, un mordeur. Ou dans un repère complètement défoncé. Franck nous aidera. Tu peux compter sur lui aussi. Fais-moi confiance. Prêt? On y va. Ne fais pas marcher, putain, Franck. Ils nous ont massacrés. Un par un. Comme des foutus lapins. Franck! Franck, c'est moi, réveille-toi! Toi? Qu'est-ce que tu fous ici, putain? T'interromps ma conversation avec. Ravik est mort depuis des années. Reprends-toi, Franck. Tu as de la visite. Et qui c'est, ça? La putain de reine d'Angleterre? Faut que je fasse dans la délicatesse maintenant. Voici Aiden. Il a la clé d'accès au GRE. Waltz l'a utilisé pour établir l'électricité dans la ville. La clé GRE fonctionne? Vous racontez n'importe quoi. Montre-la lui. Où t'as eu ça? Sur un des hommes de Waltz.
Donc t'es un des hommes de Waltz aussi? Doucement, Frank. Aiden est de notre côté. On pense que ça contient des données prouvant ce qu'ils nous ont fait à l'hôpital. Ah, donc tu crois toujours que tu vas découvrir pourquoi Waltz a bousillé ton enfance? Ok. Je vais te dire, prêt? Parce que c'est un putain de psychopathe. Il est complètement à la masse. C'est ton Saint Graal et ton Arche d'Alliance tout en un, la One. Heureuse. Aiden, c'est ça? La One et toi, vous pouvez vous tirer maintenant. J'ai des trucs plus importants en tête. Ça aurait marché si ce connard s'était montré à la télévision. T'avais raison, Ravik. Putain de traître. Sans lui, on était comme des gamins avec des lance-pierres face à des tanks. On n'a pas terminé, Frank. Elle contient des informations sur quelqu'un que je cherche aussi. J'ai besoin de savoir comment la lire. C'est une putain de clé, pas un journal intime. Tu peux l'utiliser pour ouvrir les portes, démarrer l'électricité. Mais elle est inutile toute seule. T'as besoin d'un endroit pour la mettre. Et avant que je te dise où tu peux la mettre, dégage. Tu me fous mal à la tête. Ravik. Heureusement, tu peux faire des armes en foire. Pourquoi t'es revenu pour cette mission? Ah, c'est bon, t'as la compétence? Tout est parti. Ouais, envoyé. N'en fais pas, pas la dernière compétence là. Tellement de gens merveilleux. Vite. Mais heureusement, tu peux le faire quoi. Les zones sombres et tout. Lawan. On n'a plus rien à faire ici, allons-y. Par contre, souvent je fouille les gars et souvent je fouille les... pour la première fois depuis des années. Et je mais doute qu'il ait fait ça. Tu les fouilles souvent, ces dames. Et t'en as rien à foutre. Ouais. Franck, putain, mais reprends-toi. Discrètement ou pas, hein. T'étais une légende. Le putain de commandant des traceurs. Alors, j'ai tué un gros tas de zombies avec mon épée, oh. Ce Franck-là est mort, la One. Il est mort avec les autres à la station télé. Ouais. Pourquoi Waltz remettrait le putain de courant? Me demande pas, moi, j'en sais rien. Mais si tu cherches la base de données du GRE, tu dois trouver un ordinateur pour y accéder. Le truc, t'en c'est où, là que... je sais pas du tout où trouver. Quand il m'a trahi... Et ceux qui le savent... Du coup, je l'ai laissé. Il est mort depuis longtemps. Ah, tu l'as laissé? Ouais, je l'ai laissé. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera probablement morts, nous aussi, ouais, assez rapidement. T'aurais pu découvrir un personnage qui est santé intéressant, que tu découvriras après, hein. Mais t'aurais pu l'avoir en avant-première. Putain d'ivrogne. Bah, tu sais, c'est pas grave, mais c'est l'équivalent d'Aiken là actuellement où j'en suis. Hein. C'est moi Aiken quoi. En gros, c'est la personne de confiance qui me guide quoi actuellement, entre guillemets. Comme Aiken au début du jeu quoi. Ouais. T'entends ça? Non, bah, c'est la même personne, c'est la personne qui a tiré la flèche. Il se passe quelque chose. Tu vérifies? Je suis derrière toi. Unités. Par contre, bah, t'as pu le voir, hein, tu vas voir le retour je de Waltz. Des renégats, je m'as entendu gueuler de toute façon hier. Ils encerclent le fichier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Terminé. Là, actuellement, je suis au fichier. En plus, ici, c'est les barres où tu dois prendre au niveau du jeu. Donc, en vrai, hein, le jeu, il va vraiment commencer seulement maintenant. Parce que la première mission que t'as, c'est aller au fichier, quoi. Ah, c'est dans le centre. Et là actuellement je suis au fichier, tu vois. Donc ça veut dire qu'après 40 heures de gameplay là, on peut seulement arriver au fichier. Ça veut dire que c'est grave lourd. Après ouais. Oh merde, ça fait un survivant là. Par contre, il y a un truc décevant. Tu peux pas récupérer les... Enfin, tu peux pas récupérer les armes de ce que tu tues. Ouais, c'est ça. Ils ont mis un canon sur un bâtiment voisin. Allez, abattez-le. Vite, Aiden, un coup de plus et le fichier sera détruit.
Putain. Merde, défendez le fichage. Wesh, t'arrives. Allez, Aiden est la poupée. Comment j'y vais? Ah, nique sa mère. J'ai voulu pour rejoindre la toile alors qu'on est tout en bas. Attention que c'est un putain de gratte le truc. Ah, niquez mon merde. Détruisez le canon sur le toit. J'arrive, bébé. C'était moins une. Aiden, il y a plus de renégats au niveau inférieur. J'arrive, ton super-héros Aiden est là. Ah il est en... Ah trop bien. Le gars il a la main électrifiée et en même temps enflammé. Sa santé est faible. Merde, un autre canon au sud. C'est pas ça, me faire sauter le fichaille. Tombe, ça fait des putes.
Non, je suis mort, jure. J'ai fait de la connerie. Cause des liens, je peux pas entrer. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Il m'en fait spawn dans... Ah non. Et assurez-vous qu'il y ait plus ces putains de renégats dans le coin. Oui, commandant. Toi, ça va? Jack Matt. Franck, tu vas bien? Je t'ai vu te battre. Comment tu t'appelles? Aiden. Sans toi, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Allez, les gars, fouillez la zone. Monsieur, j'ai une question. On cherche une base de données du GRE. La plupart des équipements GRE sont HS depuis des années. Pourquoi avez-vous besoin de cette base de données? Avec ta connaissance de la ville, tu connais parfaitement les lieux du GRE. Aiden et moi, on a besoin de cette base de données. Tu vas nous aider? Lawan, c'est ton ami? Aiden? On peut dire ça. J'ai jamais entendu parler de toi, Aiden. Tu viens d'où? Je suis un pèlerin. Je viens d'en dehors des murs. Donc t'as vu beaucoup de choses? T'es probablement passé par le vieux Ville d'Or, non? Ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Il s'est passé beaucoup de choses là-bas ces derniers temps. Nous avons perdu notre commandant, et les gens du bazar ont essayé de couper notre source d'énergie. Heureusement, ils ont échoué et nous avons tenu notre position. Mais les combats continuent. On perd des gens. J'ai également perdu contact avec le nouveau commandant, Aitor, et son unité. Toi, tu sais quelque chose? «
On a trouvé Walt, mais il nous a maîtrisé et s'est échappé. Quoi? Où ça? Dans les tunnels près de l'usine de voitures. Walt a décimé l'équipe d'Aitor, j'ai à peine réussi à m'échapper. J'aurais pas dû les laisser comme ça. On doit découvrir ce qui se passe là-bas. Quant à l'équipement du GRE sur lequel vous vous interrogez, vous pouvez demander au lieutenant Rove. Si quelque chose fonctionne, il le saura. Dernièrement, lui et son unité ont sécurisé les zones de l'île Culver et du parc Newdon. Mais à cause du raid du boucher, nous avons dû faire silence radio. Alors vous devez le chercher vous-même. Si vous le trouvez, donnez-lui ça. Qu'est-ce que c'est? Des ordres, pour lui et les autres unités. Bougez-vous les gars, c'est parti! Viens dehors. Discutons. Heureusement, elle était vide au moment de l'impact. Où est-ce que t'as appris à te battre comme ça? Eh ben, sur la route, en tant que pèlerin. J'avais pas d'autre choix. Sur la route. Tu te demandes pas parfois ce qu'ils nous ont donné pour nous rendre comme ça? Plus fort? Plutôt à la masse. Eh ouais, à la masse et plus fort. Je le découvrirai peut-être quand je trouverai Mia. Et maintenant? Tu l'as entendu toi-même. Rove sait peut-être où on peut accéder à cette foutue base de données. Tiens, apporte-lui ses ordres. Ne les perds pas, ou Jack risque de m'étriper. Et toi alors? Je te rejoindrai. Mais d'abord, je dois m'occuper de Frank. Tu l'as vu toi-même. C'est à peine s'il tient le coup. Bref, Frank, c'est pas exactement la source d'aide la plus fiable. Tu sais pas de quoi tu parles. C'était un traceur nocturne. Même si aujourd'hui, il peut même pas prononcer ce nom correctement quand il est bourré. Les traceurs sont pas de l'histoire ancienne? L'histoire peut se répéter. Pour le meilleur et pour le pire. Mais pas les légendes. Tu peux dire ce que tu veux. Mais je crois que quand le moment viendra, si le moment vient, Frank se montrera à la hauteur. Qui sait? Peut-être même qu'il m'invitera à rejoindre le club. Et ce type, Rove, tu le connais? Rove? Je le connais trop bien. C'est un excellent commandant. Et une putain de tête brûlée. Pour une raison ou une autre, les gens disent qu'on a plein de choses en commun. Un jour, Jack a envoyé son équipe à un endroit qui s'est avéré être une zone sombre. Tout le monde a paniqué. Il s'en serait probablement pas sorti. Mais Rove a gardé son calme. Il a fait reculer tout le monde et a commencé à taper sur des barils avec un bâton pour attirer ces putains d'enfoirés. C'était un plan suicidaire. Mais le plus important, c'est que c'était un plan. C'est ce qui permet aux soldats d'avoir à nouveau les idées claires. Si les traceurs nocturnes existaient encore, Frank l'aurait sûrement recruté. Jack, le commandant, tu lui fais confiance? Jack Matt? C'est un type intelligent, mais un peu narcissique. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, il n'est que major, mais il se qualifie lui-même de commandant en chef. Mais il nous a donné la localisation de Rove et une chance de trouver le terminal du GRE. Je me fous du reste. Ok. Bien. Commence par l'île de Culver. Les pacificateurs y ont un avant-poste. Garde ta radio sous la main en permanence. Oh, démon. D'accord, partenaire. Alors, Dema. Ouais. Comment est ton expérience avec Atyon, Icon? Pas mal, hein. C'est un PGM, t'as vu? Oh, t'inquiète. Je connais le coup. Lawan, j'approche de l'île de Culver. Super. Franck s'est arrangé. Alors j'y vais. Si jamais Rove te dit où se trouve.
le terminal. Préviens-moi. Tu trouveras ta sœur, et j'ajouterai le nom de ces enfoirés à ma liste noire. Tout le monde sera content. Sauf ceux que tu vas buter. De toute façon, ils seront plus en état de s'en soucier. Lieutenant Rove, j'ai des ordres du commandant. Je ne suis pas Rove. Il est parti avec l'équipe au parc Newton. Je suis le lieutenant Grady. Super. Je suppose que je dois continuer. Qu'est-ce que tu racontes? Montre-moi ces ordres, fiston. J'étais censé les donner directement à Rove. Et je suis Rove quand Rove n'est pas là. Ça s'appelle la chaîne de commandement. Donne-moi ça. C'est quoi ce bordel? Le commandant a dit pourquoi on rentre au centre? Il avait pas l'air d'avoir envie de m'expliquer quoi que ce soit. Je suis que le messager. Ok les gars, on remballe. Le commandement nous ordonne de nous retirer. On retourne à la base. Quoi? On quitte l'avant-poste, c'est ça? Ne me pose pas de questions. Tu ne peux pas te cacher derrière la jupe de Meyer ici. Vous nous abandonnez? Qu'est-ce qu'on va faire? On sera sans défense! Va donner des armes aux survivants avant de partir. Si j'étais vous, je leur donnerais des tonnes d'armes. Les renégats ont envoyé un détachement entier au Fisheye. Tu as d'autres bonnes idées, civil? Juste une question. Où est-ce que je peux trouver Rove? Au parc New Dawn, comme je te l'ai dit. Je sais pas s'ils sont déjà arrivés là-bas. Apporte-lui ça et dis-lui que je m'en occupe. J'aimerais pas être à ta place, l'ami. Rove va péter un plomb quand il va lire ça. Et je suis ici pour sauver des vies, pas pour perdre la mienne. Ouais, merci du conseil. Bande de connards. On n'a aucune chance. Je suis vraiment désolé, civil. Mais nous avons des ordres. On n'est pas nous laisser. Si les renégats viennent, on sera tous morts en un jour. Du calme, civil. Je suis le renégat d'Emma. Je vais te tuer! Lawan, je vais au parc New Dawn. Apparemment, Rovi est allé. Je comprends toujours pas pourquoi les renégats ont attaqué le Fisheye. Qu'ils ont leur camp, mais Boucher n'a pas attaqué le Fisheye depuis au moins. Enfin, jamais. Même lui respectait les traceurs, donc. Aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Le Boucher, dis-moi plus à son sujet. Le colonel. C'est le chef des renégats. Il a donné l'ordre d'asperger la ville de produits chimiques. Et c'est comme ça que mes parents sont morts. Je suis désolé. Pas moi. J'ai vu mon père une fois dans toute ma vie. Et si ma mère était douée pour quelque chose, c'était boire de l'alcool. C'est comme ça que t'as fini dans le programme de Waltz? Plus que moi. Et toi, tes parents? Tu te souviens de ça? Non. Je me souviens juste de l'hôpital. De la douleur. Et le feu. Juste avant qu'il nous sépare, Mia et moi. C'est pour ça que tu la cherches? C'est la seule famille qui te reste? Et si on se concentrait sur la mission, ok? Ok, tu récupères. Le dernier arrivé est un infecté. Et moi je vais te manger tout cru. Je te laissais pas, mais je suis un zombie. Ah, les alarmes. Les alarmes sonnent, la nuit s'approche. Préparez-vous à la nuit. C'est si dur. Tout est perdu. J'adore que tu aies l'alarme qui sonne, mec. Yeah.
au secours, au secours. Wesh, Dema, c'est de ta faute ça. T'as fait quoi mon jeu, gros? Mao quand même. De quoi? Bah je t'ai entendu mec. Ah bon? Je t'ai entendu dire eh hey, salut à tous les amis alors là maman. C'est quoi ton excuse pour avoir dit ça mec? Pourquoi? Tu joues l'innocent en plus. Oh! Oh le pauvre! Oh je lui ai coupé la tête! Elle s'est envolée! Laisse-moi tranquille, je t'en supplie! Je cherche le lieutenant Rove. Tu l'as vu? T'es qui toi? Pourquoi tu demandes? J'ai des ordres du Major Matt. Le lieutenant Grady a dit qu'il était ici. Tout ira bien. Où sont ton escouade et ton commandant? On était en train de monter le camp quand les renégats nous ont attaqués. Rove et les autres, ils en ont eu quelques-uns. Et ils ont poursuivi ceux qui ont essayé de s'enfuir. Et toi? J'ai pas pu les suivre. Et j'ai perdu le contact. Puis un autre groupe m'a attaqué. Qu'est-ce qu'ils font ici? Les renégats n'attaquaient pas nos positions au centre. Oh, merde! Hé hey, y'a encore des rats ici! Attention! Cache-toi! Allez vous faire foutre! Bien sûr! On y va de ce pas, n'est-ce pas, messieurs? Attrapez-le! La zone est sûre maintenant. Tu peux sortir. Alors, où est Rove?
Le camp était censé être là-haut sur le toit de l'hôtel, au croisement avec New Walls Drive. Il y a un treuil à l'arrière du bâtiment. Tu peux monter avec. S'ils ont pas encore pu revenir, c'est là que tu les trouveras. Merci. Si tu peux rentrer à la base par tes propres moyens, vas-y. Et évite de te faire enfermer, ok? Sur des renégats. Je reviens les gars.
I just say, don't let me down, down, don't let me down, down. Ça va, Dema, t'es toujours vivant? Ouais, ouais. Ah non, t'es mort. Bang, t'es mort, le zombie. Bang, t'es mort, Dema. Avec cela. Vérifie le statut de l'équipe en bas. Oui, lieutenant, oui. Les renégats dehors, ils vous embêteront plus. Tu t'es débarrassé d'eux ? Qui es-tu ? Aiden. J'ai des ordres de Jack Matt. Merde alors. Voyons ce que les lutins du Père Noël nous ont apporté. Un retrait. Maintenant, c'est une putain de blague. Tu sais combien d'hommes j'ai perdu pour sécuriser ce foutu terrain ? Je sais pas, lieutenant, mais j'ai... Cinq. Cinq parmi nos meilleurs hommes. Barthez a tué plus de virulents qu'une unité entière. Tierra et Petit Ron, ils se sont battus à mes côtés depuis avant la chute. Ils ont donné leur vie pour ce bout de ville, et maintenant quoi ? Je suis censé partir ? Écoute, je suis que le messager. Calme-toi et discutons. Tu penses pas que je suis calme ? Je suis une putain d'oasis de scène, le Nirvana incarné. Le mari de Barthez. Comment est-ce qu'il va rester calme quand je laisserai son corps sur ce terrain paumé ? La mère de Sierra et Brasco. Elle va pas rester calme en apprenant que ses garçons sont morts ici enfin. Je leur dis quoi ? Qu'on a fait tout ça pour rien juste parce que Matt a signé un papier et me l'a envoyé ? C'est nous qui faisons le vrai travail ici. Et Matt peut tout faire disparaître en une tache d'encre. C'est des putains de conneries. Je veux accéder à la base de données du GRE, et j'ai entendu dire que tu savais où je pouvais le faire. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi je te le dirais dans ces circonstances ? J'ai des affaires importantes bien que débiles à régler. Eh, dégage. Ok, messieurs. Récupérez les plaques des soldats tombés au combat. Putain, ça craint. Mais un ordre est un ordre. Rove ! Attends. Lawan, t'es venu pour me faire chier aussi ? Tu me connais, Rove. Aiden et moi, on cherche tous les deux cette base de données du GRE. Et tu vas nous dire où elle est. Tu préfères faire traîner les choses, ou t'en occuper ici et maintenant ? Putain. Qu'est-ce que tu veux de cette base de données ? Il paraît qu'elle est stockée sur des serveurs dans le centre de commande de l'Observatoire. Mais ce bâtiment a été détruit lors des attaques chimiques il y a des années. Les bombardements se succédaient, comme si on était les putains de Viet Cong. Il reste rien, tu comprends ? Nada. Si vous voulez, allez vérifier par vous-même. Messieurs, on y va ! Maintenant, t'as pas entendu ? La base de données a disparu depuis longtemps. Tant pis pour la découverte du mystère de notre enfance.
Je vais retourner à la recherche des connards sur ma liste. Et toi ? Tu peux profiter de la vie au centre. Putain. Je vais à l'observatoire. Alors tu vas y aller tout seul. Alors, on se sépare ? Toutes les bonnes choses ont une fin. Le boucher et les connards sur ma liste. Ils le découvriront bientôt aussi. Je vais retourner les chercher. Tu devrais pas rester ici non plus. Oh. Aiden, je suis désolé que t'aies pas retrouvé ta sœur. Ouais, merci. Sinon, il y a toujours Walt. Il sait probablement ce qui lui est arrivé. Si je le trouve, je te préviendrai. Bonne chance, Gadjo. Sois prudente, Lawan. Ne me lâche pas. Bon, je voulais qu'on fasse plein d'enfants ensemble. Non, vraiment, je viens pas avec toi. Putain. Elle me drague pour finir la route. Sale pute. Je la prendrai, je vais la prendre à me draguer comme ça et au final me lâcher. Vous n'êtes plus de ce monde. Content de toi ? Tu crois que c'est une bonne chose de laisser la ville aux mains des pacificateurs ?
gens. Ou bien on soufflera, on se réveille. On a de la compagnie. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu les ennuis, champion. Eh ben, les atroces. De son monde. Ouais. Mais non, j'en ai mort. Je me fais one shot. Ouais, je reviens.
Aïe, aïe, aïe. Dema. Ouais, là, je fais du parapente, là. Enfin. Ça veut dire que t'as l'arc, alors? Non, pas encore. Bah si. Bah non. Bah si. Parce que l'arc, je l'ai eu au moment de la fin de la Waltz. Le parapente, tu l'as bien après avoir échappé. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est un peu bon aussi. Mais t'as cru que t'allais avoir un arc de malade mental au début? Ouais, j'ai pas de flèche en fait. J'ai pas de flèche. C'est ce qu'on a dit au moment. Au moment où il te donne l'arc, il te donne des flèches. Ah mais faut un couteau. Oh. Élimination, c'est bon, je dois bloquer. Coup de poignard. Mais faut un couteau. Il est que de lancer. Ouais. Sortir, ils peuvent plus rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de bosser quand ils ont attaqué. Ils ont pris nos provisions et abattu ceux qui s'interposaient. Mais pas tout le monde. Les autres, ils sont où? J'ai vu personne d'autre. Ils ont dû se faire embarquer. Oh mon Dieu. Maria, Robert, ils ont pris mes... Tu sais où ils auraient pu amener tes... La frontière entre le territoire du boucher et le nôtre n'est pas loin. C'est... Tu vas les aider? Je t'en supplie. Y a pas de... Je vais essayer. Merci. Sois prudent. Je vais te guider par radio. Tout ce qui est crochet, tout ça. Ouais, ouais. Je ferai ça.
Ce survivant avait raison. Quelque chose tourne vraiment pas rond par ici. Je suis au premier avant-poste. Aucun signe de tes amis. Ils ont dû aller vers leur campement. Il est plus à l'ouest, sur Fulton Tower Road. Rattrape-les avant qu'ils y arrivent. J'y vais. Non, je comprends pas. Ils disent que les renégats sont dangereux, mais le cessez-le-feu a duré des années. C'est comme si ils craignaient de tuer les pacificateurs. Qu'est-ce qui a changé ? On est peut-être sur le point de le découvrir. Je reste en contact. Y a personne ici non plus. Ils ont pu s'arrêter au point de vue du moulin avant sur Garrison Boulevard. Dépêche-toi, ça sera plus difficile de les libérer s'ils atteignent le campement. Je vais les rattraper. Je crois avoir vu qui commandait ces renégats. C'était Elias. C'était un survivant. Il vivait dans la zone, il y a 2 ans. Il était avocat avant l'épidémie, un homme intègre. Puis, il a disparu. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Disparu ? Il y a 1 an, un type est venu. Un des hommes du boucher, ils ont dit. Apparemment, il travaillait pour le GRE, à l'époque. Il a essayé de convaincre les gens d'aller au barrage. Il leur a promis des armes. Et ceux qui l'ont suivi sont jamais revenus. Quand j'ai vu Elias juste avant, il avait l'air défoncé. Comme s'il était drogué. Ses yeux... C'était terrifiant. Comme s'il n'y avait plus personne. Je vais m'en occuper. Plus fort que jamais.
J'y suis. J'ai trouvé que des renégats ici. Ils ont donc déjà atteint leur campement. Impossible de sauver mes amis maintenant. Je vais aller jeter un coup d'œil et voir ce que je peux trouver. Je n'osais pas te le demander, mais on peut pas abandonner. Aide-les. Je t'en prie. Ah mais... Vas-y mon gars, je vais grimper un putain d'échelle. Une putain d'échelle gros. Ah!
arme. Mais quoi? Pourquoi le tel d'Antoine? Il est là, Antoine? Ouais. Il est là, Antoine, non? Tu sais que je vois rien du tout, hein. Il est pas, je crois que c'était le champ. Non mais tu sais, un noir dans un noir, c'est tout camouflé, je te l'ai déjà dit. Oui, stream, attention. C'est ça votre noir. Allez, fais tes preuves, prends ça. Bah, à la soirée, là, c'est trop bon. Ah ouais? Ouais. C'est une chose, non? Vas-y. Ouais, attends, je te pique. Je veux des mal. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Comment que c'est? Ça kick, hein, ça kick. Hein. Ouais. Vas-y, votre jeu là tout pourri, vous pouvez pas jouer ensemble. Ah, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Ah, c'est sûr, hein. On peut pas avoir la meuf et un jeu parfait. Hein. C'est ça. Vas-y, toi, tu repasses gold. Comment ça, la meuf? Je pense qu'il pourrait s'en débarrasser, ce serait fait. Putain, putain. Oh putain, Team 20 depuis le début, je me jure. Il y a un fond de vérité. Ou pas. Ça c'est pas bon signe. Allez vas-y, il sait pas toucher un tuyau, mon pote. Mon katana il est détruit. Oh,
fais brûler. Je vais te... Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je crois que je t'ai pas entendu quand tu parlais des gamines que t'allais... Que t'allais... Des veines! Des fleuries! Trop de veines! Chopez-la-tus! Qu'est-ce que tu fais ici? Laissez ces gens partir! Je vais pas écouter la marionnette des pacificateurs. Tu vas t'étrangler dans tes ficelles. Ce sera un rideau pour vous tous. Mais nous, on n'a pas de ficelle. Il nous a libérés. De quoi tu parles, bordel? Le maître a libéré nos corps et nos esprits. Nous voyons maintenant qu'à chaque fois que nous terrassons un ennemi, nous absorbons sa force. Tu peux te joindre à nous. Ou tu peux passer l'arme à gauche aujourd'hui même. Merci pour l'offre. Mais t'es complètement cinglé. Tu ne comprends rien. Attrapez-le! Wesh! Mais non! Mais non! Tu as fait déjà la station de pute? Sérieux? C'est là que tu as fait de les donner à... pour augmenter encore... les bonus de la station. Et tu les as donné à qui, toi? Hein? T'as donné à qui, toi? Pour l'instant, je t'ai dit, pour l'instant, je donne tout au pacificateur quand j'ai pas la balade. Quand j'ai la balade, je ne suis pas. Donc pour l'instant, je suis donné le pacificateur. Ah,
Allez, casse l'inhibiteur. Mais vas-y, il est incapable de grimper sur un... Jamais. Par ici, il y a une porte sur le côté. Allô? C'est Aiden. Tes amis sont sains et saufs. Merci, Aiden. On t'en doit une belle. Merci les gens d'avoir regardé cette partie de live. On va s'absenter, donc on va stopper le live pour le moment. Merci les gens d'avoir regardé, je vous dis ciao.